Non loin du café, je gare mon véloc entre deux flaques et contresigne avec ma bague. Pieds et cheveux trempés, ma cape de pluie a fait ce qu'elle a pu. C'est maintenant que j'ai peur. Maintenant seulement. Peur de sa voix. Peur de son amour. Peur de ce qu'il y aura dans ses gestes de désarmant, de tellement lui. Peur, car ce que je vois à travers lui, c'est notre fille Tichka. Depuis qu'elle est partie. Tichka, toujours et éternellement. Et c'est pour ça que je ne pouvais rien contre ça. C'est pour ça que je l'ai quitté Lorca. Pour ça et pour rien d'autre. Elle est venue. Elle passe devant les vitres du café, rayée par l'averse. Sa jupe orange dépasse de sa cape sombre. Elle relève la tête, comme si elle espérait que la pluie la lave, ses cheveux perlent. Et elle entre dans le café. Une graphiste rabat sa table à l'horizontale pour accueillir un chocolat chaud et deux cookies dans une coupelle. La porte vitrée croasse, elle a vu où je suis assis, elle serpente entre les tables. Tout est souple, tout file, son buste coule à travers les carrés de bois. Des bruits de tasses qui tintent. Ils lui ont coupé ses cheveux en vrac à l'armée. Juste parler. Juste parler. Aussitôt, il a été dans mes bras, lové contre ma poitrine, son museau dans mon cou, exactement comme Tichka l'aurait fait, avec la même brutalité douce. Sans parler, les yeux fermés, à renifler ma peau pour savoir, pour me retrouver et raccourcir d'une odeur la distance que le moindre mot aurait pu creuser. Je sais que je serai un jour capable de vivre et d'aimer un autre homme. Seulement subsiste une chose que je ne pourrai jamais effacer, qui tient à son regard d'enfant. À sa tendresse spontanée que Tichka avait avalée toute, qui fait qu'il m'est impossible de le voir sans voir Tichka. Tichka se blottir et sourire à travers lui. Sahar était là maintenant. Son sac à dos glisse de son épaule. Elle étend d'un tournement sa cape sur une chaise vide. Elle lèverait enfin les yeux sur moi. On se regarde. Je baissais les yeux. Alors, elle dit : Je ne retrouve plus ton visage. Tu changes. C'est bien. Toi, tu ne changes pas, mais c'est bien aussi. Lorca tend sa main par-dessus la table. Je la lui laisse. Je la lui laisse. Elle est chaude, tandis que la mienne est une plaie cousue qui se redéchire, bord à bord.
Elle a un sourire court, cassé. Elle se plaque contre sa chaise. Si elle pouvait reculer encore, elle le ferait. Alors on va entrer au cœur du roman Les Furtifs, qui est donc mon dernier roman, et on va entrer dans ce qu'on appelle la réalité ultime, qui est relativement âpre, vous allez le voir, et on va faire tout un voyage ensemble à travers le livre pendant une heure, en espérant vous faire plonger, vous immerger jusqu'au cœur de ce roman. Parce que je me sentais plus forte, les pieds au sol. Je me suis mise debout et j'ai avancé de quelques pas sur la pelouse qui descendait vers le portique, au fond du jardin. J'ai prononcé « Réalité ultime », puis « Tichka », puis « Balançoire », très lentement, en soufflant autant que je pouvais. La balançoire s'est mise à bouger toute seule et à osciller d'arrière en avant, d'avant en arrière, à vide, sans personne dessus. Puis tout à coup, l'air a vacillé et une petite fille est apparue sur la balançoire, pendulant avant, arrière, arrière, avant. Dans le grincement inattendu des anneaux rouillés et la tension audible du chanvre. Maman, tu me pousses ? Allez, s'il te plaît. Duré une éternité avant que je ne bouge. Mon petit bout de chou se démenait avec les cordes et se dandinait sur la planche pour tenter de prendre de la hauteur. Elle riait toute seule en tendant les jambes et en les fléchissant avec maladresse à contre-temps. Ses petites cuisses joufflues et sa bouille d'oursonne brouillée par ses cheveux courts. Je la contemplais, tanguant, brinque-ballante, encore et encore. Regarde, maman, j'y arrive. Alors, j'ai couru. J'ai couru. Je suis parti au fond du jardin en courant et j'ai tendu ma joie vers la balançoire, en serrant tout le vide du monde entre mes bras. Maman, a murmuré l'intelligence artificielle pendant que je fermais les yeux. J'ai senti mes mains sur mes coudes et mes épaules qui enlaçaient mes épaules. J'ai rouvert les yeux
Elle était encore là, pourtant, tout contre moi, ses joues à quelques centimètres de mes lèvres, qui ne pouvaient l'embrasser, de ses cheveux qui ne sentaient rien. J'ai vu ses yeux trop lisses, trop ronds, trop grands, qui me fixaient pareil à deux bits verts, animés par des mouvements de paupières. Et je vais sauter au cou en hurlant « C'est pas toi! C'est pas toi, tricheuse! Tu triches !» De sorte qu'elle a reculé avec effroi, elle a commencé à se décaler par un coup bizarre de figurine, puis à se redécaler encore. Chaque fois que je voulais l'attraper, j'ai pris un bâton contre l'œil et je l'ai frappé de fureur. Mais les coups la traversaient. Dégage! Dégage, sorcière! Sors de fille! Et soudain, d'un fondu au blanc, le corps de Tichka a disparu. Un panneau massif a fait irruption dans le jardin, occupant tout mon champ de vision. Nous rappelons qu'en vertu de la loi du 12 juillet 2036, la maltraitance des enfants est interdite dans les espaces virtuels ou reconstitués. Nous sommes au regret de cesser la simulation et nous vous alertons qu'en cas de récidive, nous serons contraints de transmettre vos coordonnées au service de police pour un examen psychiatrique contradictoire. Bon, on va redécoller vers une forme de poésie quand même. C'est un moment du livre que j'aime beaucoup, où il y a un mouvement révolutionnaire comme ça qui s'appelle la Céleste. Et c'est des gens qui se baladent de toi en toi et qui créent des archipels comme ça de toi dans la ville. Et il y a une fille qui s'appelle Velvi, qui est particulièrement magnifique dans cet exercice-là. Et ça s'appelle « Ici vole Velvi ». Ici vole Velvi sous la toile de son parapente. Légère comme un parapluie. Aussi fragile qu'un cil. Aussi digne et fine qu'une pellicule de givre. Elle lit le vide au fil de l'air, à même le ciel, pour elle intime de ta ville. Ici vole Velvi, une fille de la céleste. Ici, elle file et fuit entre le ziste et le zeste. Une furtive est un zéphyr, une bise sifflée. Analysé dur, fouissant, dans tes veines striées. Thank you.
lui imite les drones. Elle se fie à l'hirondelle, au thermique, à la libellule, aux yeux de myrtille. Et liquide. Ici vole Velvi, suspendu, sans moteur, flèche. Parmi les hélices, alors celui-là qui vient, il tabasse. Donc c'est Mantrakt, c'est un tract politique en fait qui s'est muté en chanson ou en poème, je ne sais pas. Au départ, ça devait être une sorte de résumé compact de tout ce que j'essayais de penser politiquement sur l'époque. Et c'était en 9 points, ça couvrait censément tout. Et en fait, ça couvre pas grand-chose. Mais sur les ruines de cette ambition, de cette espèce de folie un peu... un peu politique, on a quand même fait un texte que j'aime beaucoup, qui est un peu dingue, vous allez voir, à certains moments, on ne comprend pas tout, il y a beaucoup de jeux de mots, ça part un peu dans tous les sens. Mais quand j'ai la chance de le faire avec Mood, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus beau. Alors on attaque. Mantrakt, enfin peut-être dans 3-4 notes. Est arrivé l'hiver où les hommes à semelles de vente te marchent sur la gueule pour y imprimer leur marque. Toi, tu as le visage du printemps qui s'ignore et qui vient, qui lève dans tes yeux. Toi, tu étais déjà debout. Ce Mantrakt est pour toi, pour nous, qui sommes légions et qui avançons avec cette porte ouverte entre nos deux épaules et nos allures d'appel d'air. Longtemps tu fus l'individu qui crut que tout lui est dû. L'individu aliste, joliment séquencé, l'individu duel, seul,
contre tous. Ta vie d'hyperléen, d'alien, d'irréen retranché en pépin, dans ton grain de raison sous ta bulle de filtre, parmi ta commune ôtée. Quoi d'étrange à ce que tu vois, tout le monde comme un étranger? Faire que nos expériences prennent corps. S'offre le temps. S'ouvre l'espace. Faire que quelque chose, enfin, se passe. Faire qu'il existe toujours un dehors, aux eaux libérales qui nous entassent. Du possible, sinon j'étouffe un peu de ciel dans tes riffs, un brin d'herbe, juste une touffe, un peu d'air pour ta soif. Comprendre qu'ils te veulent libre pour mieux te contrôler. Que chacun de tes actes laisse une trace sur leur carte. Cours, camarade, les yeux mondes sont derrière toi. Comprendre ton statut d'épluchure pour les pores du pic d'Ata. Comprendre ce qui te séduit, où l'on veut nous conduire, et que nous sommes le produit. Toujours sur les réseaux, en torero. Toujours sur les réseaux, être le zéro, passé. Tu ressuscites les angles qu'on croyait morts. Tu te découvres furtif. Fugace et fugitif. Puisque leur monde est une pub qui te vend la réalité. Puisqu'ils t'ont algorithmé jusqu'à l'amour, le jeu, le jouir et l'amitié, puisqu'en te procurant par la techno le pouvoir, ils t'ont en douce retiré la puissance. Tu tatotes et tu rates. Tente encore. Tente encore. Rate mieux. Tente encore. Tâtonne. Construis et nous avec d'autres, les communs. Et au cœur de ce nous, explore à quel point tu es lien. Politique de l'amitié, s'élever du solitaire au solidaire. De la grappe au groupe. Du connectif au collectif. La liberté des autres déplie la nôtre. Origami. Origami. Tu sais bien que s'ils pouvaient, une numéro traite écrit sous leurs chiffres, ta chair brusque. Ta chair brusque. Ton existence est hors de prix. Rien ne les détruit plus que le gratuit. Nous sommes la nature qu'on défonce. Nous sommes la terre qui coule. Nous sommes la terre qui coule. Juste avant qu'elle s'enfonce. Nous sommes le cancer de l'air et des eaux, des sols, des sèves et des sangs. Nous sommes la pire chose qui soit arrivée aux vivants. ok. Et maintenant? Maintenant? La seule croissance que nous supporterons sera celle des arbres et des enfants. Maintenant, nous serons le vivant qui se défend.
le 1er mars, un mécano de drone a suspendu un café dans le dernier bar standard de la rue des Martyrs. Tu le fileras à un vendiant, à qui tu veux. Il a ajouté devant les yeux écarquillés du robot. Le 2 mars, Nadège M, retraité privilège, qui avait voté Gorner au premier tour, a enlevé à la tenaille et à la bêche les 400 mètres de grillage qui entouraient son pavillon au roi d'Espagne, à Marseille. Le 4 mars, Captain Capiz a remonté l'intégralité des Champs-Élysées sans être perçu par un seul capteur. Le 6 mars, lors d'un concert joué à la Zouave de la Palue sur Verdon, la saxo Audrey Calypso, musicienne intermittente, a sorti de son tube de cuivre un solo d'une telle incandescence sublime qu'on raconte qu'un furtif en est né. Le 8 mars, Tony Tufu a démonté un par un tous ses batags pour en faire une unique machine à faire le flou. Après le gros spondo, il a arrêté de taguer. Il dit qu'il abrite un condor de brume et que son corps est un brouillard. Le 9 mars, Christian A, viticulteur premium, a stoppé son tracteur en haut de la colline d'Aubenasson. Il avait cru voir une belette passer sous ses roues. Il est descendu, a vérifié son pneu, puis il a levé la tête pour contempler la Drôme qui coulait d'un vert translucide au loin sous son lit de galets. Et sans raison apparente, il a décidé qu'il vendrait désormais son vin. À prix libre. Le 11 mars, Bruno R a coupé sa réule, jeté ses disques rétiniens aux toilettes et tiré la chasse. Il a pris sa bague, l'a fait fondre dans la braise de son barbecue 2 jours durant, avant de la reforger à la main comme il a pu. Puis il l'a offerte à son amoureuse en la demandant en mariage. Le 13 mars, Nantes est officiellement devenue la première vague ville autogouvernée de France. Après 3 ans de guérilla intense, elle a été rachetée à Sivine par ses habitants. À ce jour, Brest, Rennes, Vienne, Nanterre, Orange, Alès et Marseille sont en train de basculer aussi. Les multinationales, de leur côté, semblent au creux de la vague. Le 15 mars, un collectif Moudjik a semé des milliers de graines d'amarante dans les champs de soja transgénique de la Beauce. Le 16 mars, un quadragénaire victime d'un AVC a vu quelques minutes, un furtif se loger sous le plafond de la salle d'opération. Le 17 mars, Nair a éteint ses scanners pendant 27 minutes. Le 19 mars, Vasco est devenu un dauphin au large de l'archipel de Riou. Enfin, c'est lui qui le dit. Le 22 mars, Akima et Louise se sont mariés dans la grotte aux œufs à la Sainte-Baume. Elles se sont même fait un bisou sur la bouche devant tout le monde.
Puis Louise a dit, les furtifs nous ont appris une chose. Il n'y a pas de lendemain qui chante. Il n'y a que des aujourd'hui qui bruissent. Le 30 mars, un collectif de vendiants s'est mis aux enchères par autodérision sur la place Hakim Bey. Les habitants d'Orange les ont rachetés symboliquement en un seul lot et leur ont offert une année sabbatique payée au salaire premium. Le 34 mars, j'ai dit à Agüero, j'aimerais qu'on ait un enfant. Il m'a regardé yeux dans les yeux, et il m'a répondu Banco. Le 42 mars, le groupe de 80 sandbags qui occupait le data center de Sivine à Brest a reconnu avoir tué par mégarde un résif, c'est-à-dire un furtif de réseau. L'animal était entièrement constitué d'ondes. Il s'est figé dans une dentelle d'air et de lumière avant d'éclater comme une vitre. Le 62 mars, Carl Abbé a cessé de parler à son intelligence artificielle personnalisée. Moi aussi. C'était le 61. Et le 106 mars, c'est ça, c'est extraordinairement important. Le 1000e doudou vivant a été certifié par l'Office informel des enfants crédibles. Alors là, pour ceux qui ont le livre, je ne sais pas s'il y en a, il y en a beaucoup dans la salle. C'est l'ouverture du livre. C'est ce fameux chapitre 1 où Lorca Varèse, apprenti chasseur de furtifs, va essayer de voir tout simplement un furtif dans un cube de 6 mètres d'arête qui est entièrement blanc, sans obstacle. Mais le furtif est toujours dans l'angle mort, là où évidemment vous ne regardez pas. Et c'est cette scène, cette épreuve que Yann va vous faire vivre. Je me suis assis au milieu de la salle et j'ai posé mes mains au sol bien à plat en fermant les paupières et en ouvrant grandes mes narines, lâchant du bout du nez un souffle de petit buff. J'ai hissé les pavillons de mes oreilles et laissé ma peau à nu, offerte à l'infime rafale. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, je prends la mesure intime de l'espace alentour, de la hauteur qui s'étend au-dessus de moi, de la profondeur de la salle, du volume. Et je respire enfin à l'intérieur. Je contracte le cube. Je le dilate. Je retiens un peu les parois et les écarte à chaque bouffée, comme si cette cage blanche était ma cage thoracique, un poumon ample qui enfle et désenfle. Le furtif voit rien, je le sens, il est comme moi à l'écoute. Du cube, il hume. Je fais silence, il laisse passer sur lui les infimes pétulances de l'air, la vapeur d'eau que mes pores lâchent. La salle est vivante.
Le sol frissonne au toucher, le béton vibre et restitue nos valses, nos courses. Les ondes électromagnétiques se réverbèrent par tous les plans et tissent en se croisant des textiles frêles que je peux déchirer avec la buée de ma bouche. Sous la perception des cendres, descendre encore. J'ai l'impression de savoir où le furtif se niche, pas précisément encore, au moins la zone. À l'arrière, en oblique, à mi-mur, il me semble. Une chose pareille à la peur émane de ce mur, une onde cisaillée. Pulsa-t-il à fréquence courte, lesté de stress, dont l'amplitude est neuve et qui alternativement s'efface et insiste. S'efface. S'efface. Et insiste. Et insiste. À peine si elle se détache sur un fond de vibration banale, de bruit blanc, propre à la virilité rêche du béton. J'ai atteint le temps mort. Je le sens à mon calme, soudain. Je me tiens dans cette attente riche qui n'anticipe plus, qui a plus peur d'être en avance ou en retard, qui est à la vitesse du devenir et de l'événement. Plus ne bouge, aucun indice ne lui donne. J'ouvre simplement mes yeux parce que je suis prêt à la rencontre et que je sais qu'il va bouger quand je vais crier. Je sais pas quand ni quoi crier. Me vide encore un peu plus, descend sous la lumière, sous la blancheur, dans l'infrablanc et l'ultra gris, dans l'infra gris de l'ultrason. Poussé du ventre, le cri monte et me déchire par la trachée. Je le crache. L'air bouge, le volume du cube se trouve sur ma droite, le furtif file, tout est flou. Je cadre le mur devant mes yeux, rien de plus vraiment. Un à-coup me hache le cerveau, une vague saccadée qui m'inquiète, très bref pourtant. Un vertige épileptique. Puis le blanc. Maud, il faut que tu reviennes parce que je voudrais parler de toi. Voilà, je fais une petite pause quand même pour vous présenter les artistes avec lesquels j'ai l'immense chance de faire cette soirée. Je voudrais vous donner, vous dire un petit mot quand même sur Maud. Il faut que je reste là. Ouais, il faut que tu restes là et puis tu très poliment, tu écoutes ce que je vais dire. Donc Maud, bah voilà pour moi. Pour moi, Maud, c'est un monde. C'est un monde de vent et d'avalanche, né au plus profond du ventre et des hanches. C'est un monde de souffle, poussé, coupé, sculpté, arraché des tripes. Tout un art de l'air, en fait. Tout un art de l'air qui devient chant, qui devient feu, qui devient mèche. Et surtout, qui devient chair. Maud. Merci.
Alors celui-là, celui qui vient, qui s'appelle Punk Up, c'est notre morceau. Gros lâchage, punk, avec Yann qui va tout déchirer. Donc c'était mon rêve de faire une explosion avec ce qu'on appelle les plosives en français, les occlusives, la fameuse série Potocke, qui remonte, la colonne d'air remonte, la glotte ferme et explose, ça fait P, ça fait T, ça fait que. Et ces enfoirés d'anglais qui font du rap et qui se croient très forts, qui ont que des mots qui finissent par que, par peu, par te, des bacs, des stops, des bips, de tout ce que vous voulez, ils n'ont aucun mal à rapper. Nous, en français, c'est beaucoup plus dur parce qu'on a des amps, on a des pompes, on a des poupes, et c'est tout ce qu'on a. Mais c'est avec ça qu'on va faire punk up quand même. C'est parti. J'attrape la hampe, hop, rip, et me hisse d'une pompe sur la poupe. Un cop des stup pop-ups de sa jeep, et braque mon scalp, stop, il jappe. Une vampe en jupe prasse près du yacht où je me tanque. Nip, up, petit top hype, un peu pin-up, un brin salope, une jap. Le type stand du slip se dézip, en espérant une pipe un peu dupe, piche pas la manip. Hip, 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 il me zappe, je rampe en taupe avant qu'il me snipe. Bam, ball trap, hep, hep, cap ou pas cap, cap ou pas cap. Bip la pin-up. Le cop en manque, la chope slurp, voilà des sables, elle pivote. Puis high kick à la nuque, le neck de l'attaque, le flic pique du bec sur le ponton en tech. Pac fait sa tête, comme un bac de cric sur le zinc. Il rack, noritech, fait plus le cake ou le coq, plus le mac, le petit mec. La jappe un peu chic, look baroque, coq et sac laqué, compte jusqu'à 5. J'te book pour ma jambe, park, attache ta tuque, sick. Là, low kick au flic donc, mode punk rock, ciblé bollocks. C'est pack pour Jack le Fox, son petit pack aux œufs. Part en lock, il se caque dessus, il zouk, il twerk, il zouk, il twerk. Nous pisse un lac, la jappe calte, magnifique, laissant le flic Keblo dans sa flaque. J'attrape la hampe, hop, rip, et me hisse d'une pompe sur la poupe. Un cop des stup pop-up de sa jeep, et braque mon scalp, stop, il jappe. Une vente en jupe place près du yacht où je me tanque. Nip, up, petit top hype, un peu pin-up, un brin salope, une jappe, le type stand du slip se dézip en espérant une pipe un peu dupe, piche pas la manip. Hip, 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 il me zappe. Je rampe en taupe avant qu'il me snipe. Bam, ball trap. Hep, hep, cap ou pas cap, cap ou pas cap. Cap. Le cop en manque, la chope sur, voilà des sables pivote. Puis high kick à la nuque, le neck de l'attaque, le flic pique du bec sur le ponton en tech. Pique du bec sur le ponton en tech, le ponton en tech, il pique du bec. Pac fait sa tête, pac fait sa tête, comme un bac de cric sur le zac, comme un bac de cric sur le zac. Il rate Noritech, fait plus le cake ou le coq, fait plus le mac le petit mec. Fait plus le cake ou le coq, plus le mac le petit mec. La jappe un peu chic, le baroque, coq et sac laqué, compte jusqu'à 5. J'te bouge pour ma porc, t'attache ta tuque, sick. La low kick au clubic, donc mode punk rock, cible les bollocks. C'est pack pour Jack le Fox. C'est pack pour Jack le Fox. C'est pack pour Jack le Fox. Son petit pack aux œufs part en lock. Il se caque dessus, il zouk, il twerk, il zouk, il twerk, il zouk, il twerk. Le pisse un lac. La jappe calte, magnifique. Laissant le flic Keblo dans sa flaque. Laissant le flic Keblo dans sa flaque. Laissant le flic Keblo dans sa flaque. C'est chaud à faire, hein. Bon, je vous ai présenté Mood, mais vous avez vu qu'il y a, il y a un gars à côté de moi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué depuis le début de la soirée. Il s'appelle Yann Péchin. Alors Péchin, moi j'ai tendance à dire Péchin n'empêche. Quoi. Péchin n'empêche. Bah, d'abord, il est perché, Péchin, avec sa, vous avez vu, avec sa gueule d'apache. Et ses cheveux comme ça lâchés en vrac, comme un trait de gouache. Bon, Péchin, Péchin quoi? Péchin le peintre, Péchin le putain de pro, le... Je sais pas, le poète des loupes et de l'impro pour qui bah, la guitare est une palette et ses ongles bah, des pinceaux. Péchin, je vais vous raconter, en fait, c'est rien, Péchin, c'est du menu fretin, c'est Bachung et Birkin. Mursek, Tiefen, Tricky, Higelin, Brigitte Fontaine, Dick Angard, Rachita. Bon, que du lourd, plein. Il est d'aucune chapelle pourtant, Péchin, d'aucun cheptel. Pour moi, c'est juste un funambule comme ça, debout sur ses cordes, et pour qui toute vraie musique part aussi des pieds. Et ouais. Bon, Péchin, bah, Péchin à la ligne. Péchin au bouchon, au lancer, Péchin au chalut, au pilet, je sais pas.
au doigté, Péchin à la mouche, au toucher, Péchin en eau trouble, quand l'air tremble, quand le son semble s'arrêter comme ça, se suspendre. Péchin n'empêche. Péchin, c'est... bah, c'est l'empêcheur de jouer en rond, d'annonner ton pauvre texte à trois tons. Partout, il passe. Bah, les partitions se suicident. Ou délicatement, comme ça, s'effacent. Avec lui, bah, avec toi, Yann, tu le sais maintenant. Les seules vraies notes qui comptent, bah, elles ne sont pas encore écrites. Non, elles sont inscrites secrètement dans tes cordes comme un cri qui crépite et que tu vas bah, libérer à la gratte. Et là, moi, la sensation que j'ai, chaque soir que je joue avec lui, c'est pareil. J'ai pas l'impression que les... Je sais pas. J'ai pas l'impression que les modes tombent comme ça, ou montent, je sais pas. Si, elles tombent. Elles tombent peut-être comme ça, de là-haut. De la voûte, de la grotte, ou goutte à goutte, comme ça, comme des stalactites. Ou l'image qui me vient, c'est comme un... Je sais pas, comme l'impact comme ça d'un oiseau fou sur une vitre. Péchin n'empêche. Le vivant n'est pas une propriété, un bien qu'on pourrait acquérir ou protéger. C'est un milieu, c'est un champ qui nous traverse, dans lequel nous sommes immergés, fondus ou électrisés. Si bien que s'il existe une éthique en tant qu'être humain, c'est d'être digne de ce don sublime d'être vivant. Et d'en incarner, d'en déployer autant que faire se peut les puissances. Qu'est-ce qu'une puissance ? Une puissance de vie. C'est le volume de liens, de relations qu'un être est capable de tisser et d'entrelacer sans qu'il s'effondre. Ou encore, c'est la gamme chromatique des affects dont nous sommes capables. Vivre revient alors à accroître notre capacité à être affecté, donc notre spectre ou notre amplitude à être touché, changé, ému, contracter une sensation, contempler, habiter un instant ou un lieu. Ce sont des liens élus. À l'inverse, faire face à des stimulus et y répondre sans cesse pollue notre disponibilité. L'économie de l'attention ne nous affecte pas, elle nous infecte. Elle encrasse ses filtres subtils sans lesquels il n'est pas de discrimination saine entre les liens qui libèrent et ceux qui aliènent. Puissance de vivre relève d'un art de la rencontre qui est déjà en soi une politique, celle de l'écoute et de l'accueil, de l'hospitalité au neuf qui change. C'est la capacité à se tenir debout dans l'ouvert,
dans ce qu'on pourrait baptiser le rouge ou vert. Un chant d'intensité vibra-t-il et frémissant, attentif et vigile. Et puisque c'est la rencontre, le fait actif d'affecter et d'être affecté passionnément qui va nous hisser au vivant, il devient crucial d'aller à la rencontre. À la rencontre aussi bien d'un enfant, d'un groupe, d'une femme, que de choses plus étranges comme rencontrer une musique qui te troue, un livre intranquille, un chat qui ne s'apprivoise pas, une falaise, côtoyer un arbousier en novembre, épouser la logique d'une machine, rencontrer une lumière, la mer, un jeu vidéo, une heure de la journée, la neige. Faire terreau pour que les liens vivent, les liens sociaux, collectifs et communautaires bien sûr, mais aussi amicaux et amoureux, filiaux ou familiaux. Puis au-delà et avec plus d'attention encore, les liens avec le dehors, le pas de chez nous, l'outre-soi, avec l'étranger. D'où qu'ils viennent. Et plus loin encore, hors de l'humain qui nous rassure, les liens avec la forêt, le maquis, la terre, avec le végétal comme avec l'animal, les autres espèces et les autres formes de vie, se composer avec, les accepter, nouer avec elles, sans berlificoter. Peut-être n'est-il qu'une seule révolte au fond, contre les parties mortes en nous, cette mort active dans nos perceptions saturées, nos pensées qu'on mécanise, nos sensations éteintes, être du vif, relever du vif. Les furtifs portent en eux et nous portent à nous, comme un cadeau caché dont le ruban est à défaire. Cette double révolution possible, celle des liens horizontaux à tisser sans cesse hors de nous, et celle des liens verticaux à intensifier en nous, avec nos ascendances animales. C'est pas l'un ou l'autre, l'un après l'autre, c'est tout ensemble une vitale insurrection collective et intime, pour porter au point de fusion nos puissances. Et en offrir l'incandescence à ceux qu'on aime. C'est un alliage, c'est une alliance. Être moins celui qui brûle que celle qui bruisse. Entrer par effraction dans le rouge ou vert, s'y tenir fragilement. Pouvoir entrer dans la couleur.
Bon, un petit rappel quand même. Bon, il y a 700 pages dans le livre, donc on peut jouer toute la nuit, mais on va faire un petit truc quand même. Tu t'enroules lentement, lové dans ton techno-cocon. Ta chrysalide est toute de fibres optiques et elle te tisse. Tes nerfs tapent une ligne de code qui bruisse. Ta chair est un chiffre. Tu crois parler et tu récites. Tu crois parler et tu récites. Tu crois te hacker quand tu décryptes. Ta gorge est une enceinte Bluetooth qui balbutie ses chats. Ta paume te sert d'écran. Tes doigts sont une appli. Tu t'accouches sans un cri dans la douceur de la masse. Tu ne sais plus qui tu aimes, qui tu es, ce que tu sèmes. Tu ne sais plus qui tu es, qui tu aimes, ce que tu sèmes. Tu ne sais plus ce que tu sais, qui tu sues, qui tu pues, qui tu tues, qui tu es. Tu ne sais plus qui tu es, qui tu es, ce que tu sèmes. Tu ne sais plus ce que tu sèmes, qui tu es, qui tu aimes. Tu ne sais plus ce que tu sues, ce que tu sens, ce que tu sais. Tu ne sais plus ce que tu pues, tu ne sais plus ce que tu tues. Tu ne sais plus ce que tu aimes, qui tu es, ce que tu sèmes. Tu sais plus, tu sais plus tout ce que tu sais, qui tu es, qui tu es, ce que tu sais, tu sais plus, tu sais plus. Toutes les réalités se valent, oui, tout perd poids ou sens. Tu traces au volant de ta caisse en déroulant les paysages comme une cinématique. Les voix et le bruit des torrents arrivent comme une bande-son. La pluie est une ambiance. Tu pourrais écraser ta mère et rouler sur ton gosse. Quelle importance, c'est la matrice. Ta face s'arrondit en un œil électrique qui crépite. Ta pupille est percée, elle coule en morphe dans ta bouche. Tu accélères encore et tout au bout de la route, dans le miroir luisant de l'asphalte, tu vois sourire un fantôme qui sourit comme toi, sans lèvres, et ta bagnole dérape en silence sur la chaussée lisse. Tu freines trop tard. Quelle importance, c'est la matrice. Pur impro, Diane, ça je peux vous le dire. Bonsoir. C'est un petit slam. On va finir sur une sorte de petit slam qui s'appelle le slam des sarabandes. C'est un vieux texte pour moi, mais c'est un texte qui compte beaucoup et que j'ai envie de vous faire ce soir. Et si vous voulez, vous pouvez chanter la percussion de cette chanson avec nous. C'est facile. C'est Yann qui va le jouer. Moi, je vais la chanter. Vous pouvez la souffler avec moi.
Ça va, la maison de la poésie? Ça va? Vous êtes endormie? C'est la dernière berceuse. Après, il y a un bar à vin, je crois, si vous voulez rencontrer Alain, tout ça. Ouais, mood, surtout, c'est mieux, quand même. Tout le monde. Je suis comme vous, l'enfant d'un monde où nos mains démobiles sont devenues la rengaine chic des hommes à semelles de vente plutôt qu'un état d'âme ou d'esprit. Je suis la fille d'un monde où orange ne désigne plus une couleur ou un fruit, mais un forfait perpétré par ceux qui nous gèrent pour mieux nous digérer. Moi, j'exagère. C'est ma façon de vomir l'ingérable. Nous bougeons et bêlons dans nos bulles, chacun chez soi, dans son coquet petit cocon de coton et de soie. Pourtant partout ça boue, partout ça boue, partout ça boue. C'est ensemble, il me semble, que les hommes et femmes que nous sommes se tiennent debout. Les biens, les tiens, les miens, les siens ne sont rien face aux liens. C'est prouvé. Liez-vous des lilas, mais... Nos voisins ne sont pas des grains, ne sont pas raisins, ils sont la raison de vos futurs vins. Le demain que j'appelle appartiendra aux hommes, demain ceux du tact en acte. Touche de souche, de la paluche énorme qui effleure la peluche et épluche à tâtons l'écorce de l'orme. La pluie est un soleil d'eau en miettes, le vent ride les gens gris, mais grise les avant-gardes peau rouge qui longe le lac d'orge blond et de blé grège qui leur donnera le pain rond qu'ils rompent et partagent. La fraternité à une éternité d'orage, la rage d'être frère et d'être sœur ici, bas, un coup, courage! Vivre ensemble est si difficile, sifflent les disciples du soliloque, les zélotes de l'ego clos. La place de la Concorde est à Paris, celle de la Discorde est partout, ok, si tu veux. Moi, je crois aux bandes et aux baroufs fécondes et sarabandes. Je crois aux hardes et aux hordes, aux essaims qui essayent de semer cette idée qu'on puisse s'aimer, je crois. Au groupe sans logique de troupe, au full cool et à leur roule. J'aime quand l'humain s'épaule, quand l'humain s'appuie et se parle, quand c'est l'amour qui nourrit le pas qu'on fait vers l'autre qui ne le sait pas, qui ne le sait pas, qui ne le sait pas. Merci à Cécile au son, à Claire en lumière, à toute l'équipe. Juste un petit mot pour Cécile, parce que ce son qui sort de la table et nous foudroie sans prise de tête, sans prise de terre, ce son, il a un ton, il a un nom, il s'appelle Cécile Voltaire.